Merci Madame la députée. Géraldine Bannier. Madame la ministre, le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture, qui devrait être présenté avant l'été, comporte un volet recherche. L'article 2, notamment, demande d'amplifier l'effort de recherche, d'innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologiques et climatiques de l'agriculture et de l'alimentation. Ces transitions sont en effet indispensables. En cours, nos agriculteurs en sont les premiers acteurs. Ils sont animés par la volonté de bien faire et par un bon sens inhérent à leur profession. Aussi doivent-ils être accompagnés vers des solutions qui pérennisent le modèle agricole français dans un contexte de réchauffement climatique. La recherche participe également de l'amélioration des conditions d'exercice du métier d'agriculteur. Ainsi, quels moyens la recherche mettra-t-elle en œuvre pour accompagner les agriculteurs, je pense aux pêcheurs aussi, dans la transition écologique et assurer un avenir durable aux futures générations de ces professionnels? Comment l'enseignement agricole du secondaire pourra-t-il intégrer de façon efficace et progressive les apports nouveaux des chercheurs?